Niger là, au Tchad, c'est pas lui qui était assis là-bas. Pourquoi ils ont tué Idriss Déby? Parce que quand Idriss Déby a commencé à anéantir, à tuer les terroristes, lui-même il est parti sur le terrain. Il a commencé à bombarder, il n'a pas fait 3 semaines après Omar Fraoua. Ils l'ont remplacé. Parce que Idriss Déby, tout le monde loue à terroriser ou voilà. C'est pourquoi ils sont allés le tuer. Vous pensez que quoi? Vous pensez que nous on est bêtes? Vous pensez que nous on est bêtes? La France, cela devrait aller aider Idriss Déby. Quelqu'un qui est allé au front. Qui l'a tué? Et puis la constitution n'a pas été respectée. Quand ils ont fini de tuer Idriss Déby, ils ont imposé son fils. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont dans la transition. Bon, on appelle ça transmission, ce n'est pas transition. Ça dit de pouvoir, ça dit de père en fils. Ça dit qu'à faire fera, qu'à dinke, qu'à pouvoir t'accadou, on appelle ça transmission. Ça on appelle ça transmission. Alors maintenant, là, on ne veut pas les militaires, on ne veut pas les militaires. Kassou, alors il est fait. Militaire, les tout en front. Charles de Gaulle, là, a trouvé un avion sur de l'Anke. Il y a boulevard de Gaulle. Même en Afrique, même chez nous, même là, il y a un pont qui porte son nom là-bas. Tellement c'était un pont. Faut même, parce qu'on veut faire quoi le droit qu'on a, communauté au pouvoir, mais Johnny Rawlings, au Ghana, là, il a été un bon président. Thomas Sankara, là, son nom, là, ça est dans tout aujourd'hui. Le gars du Rwanda, là, lui aujourd'hui, là, c'est qui il a fait chez lui, là? Mais à la crainte des galons. L'homme Romako, ouais, non, on ne veut pas militaire, on ne veut pas militaire. Le fils d'Idriss, là, lui, il est quoi? Lui, il est footballeur, ou bien c'est un reggaeman? Idriss Déby Dinkani, il fait reggae ou bien il fait goumé, djemé, djemé. Attends, djemé, faut l'attendre. Militaire, les balais. Au cas fakement, vous allez écouter son papa ici. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui vont venir dire qu'ils vont mélanger ce combat-là, si il est hors du Mali, il est malien là, n'a qu'à se noyer, les câbles là. Qu'a commencé ras battement, tous les faux opposants là, ceux qui disaient avant, bois table et puis bois babla là, ceux-là, ni mikoumana, à abla fra là. Parce que si vous les laissez, parce que les Français qui débarrassent au Yatreti Belin, si vous les laissez, les Français là vont passer par ceux-là. Parce que Rasbat, dans ce problème-là, au début, là, il disait non, faut pas les Maliens vont attaquer Alassane Ouattara. Donc lui, il est pour Alassane Ouattara qui est contre le Mali. Donc Rasbat, il gagne plus, il est là, quoi. Voilà, il game là, il est là. Tu avais trop de la valeur. Mais ton, parce que Wari, ni veut Wari quoi. Ni veut Wari quoi. Ni qui trouve quoi. Il est qu'un couronné. C'est comme une femme qui aime l'argent. Avant, il aurait dit qu'il y a un war cousson. C'est-à-dire, valeur qu'elle a élaboré. Parce qu'on sait que ni war bibroun. C'est-à-dire, ni qu'à ouvrir le droit, avait ni servi, et puis avait tant. Il mandaille, mais avant qu'elle a war le cousson. Donc, il est adamadé. Fouille que horon li. Horonya ni, war est à son. Sinon, war batri d'obé, président d'obé au loup de horonye. Quatre diamants, war go loup le coup. On connaît. Transition de Mali, du Tchad, là, personne n'en parle. Mais pourquoi c'est pour Mali là qui dérange les gens? Et puis les enfants du Mali, certains enfants, à savoir s'ils sont maliens, à savoir s'ils sont maliens. Moi je parle mal, hein, mais excusez-moi, j'ai dit que je parle. Vous savez, souvent, Moussa Dor, bon, faut pas y rentrer dans ça, sinon il y a blessé des femmes qui ont déjà fait ça. Donc on va aller ici. Alors, de votre volonté de faire et de changer les choses. Voilà, volonté de faire et changer les choses. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est vous qui changerez l'Afrique. La France ne changera pas l'Afrique. Voilà. La France, elle peut regarder en face son passé, ouais, vouloir participer dans un dialogue sincère, ouais, et redevenu équitable ce qu'on a fait aujourd'hui. Dialogue sincère. C'est-à-dire, quand il dit ça, c'est qu'ils n'ont jamais été sincères avec l'Afrique. Dialogue sincère, c'est-à-dire coopération, là. Ils n'ont jamais été sincères. C'est que ma croix, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ce qu'il dit là, c'est ça qu'il faut chercher. Il va comprendre, bref. C'est que Macron dit ici là. C'est que Macron est en train de dire ici là. C'est-à-dire, quoi d'un dialogue sincère? Ça veut dire que là, il sait que dialogue qui est entre. Dialogue qui est entre le Mali et la France n'est pas sincère. Allons. Et dans un dialogue sincère
est redevenu équitable, ce qu'on a fait aujourd'hui. Une relation équitable. Qui... Ils savent qu'on n'est pas équitable. Quand eux, ils viennent, puis quand ils volent notre matière première, là, quand ils volent là, nous, on n'a que 10%, ils ont 90% dedans. Pourquoi? Nous, on n'a pas besoin de vous. Pourquoi tu as les fous, nous, on y en a? Nous, on n'a pas besoin de vous. Donc, on n'est pas équitable. C'est-à-dire, c'est-à-dire on n'a pas le même poids. C'est nous, on est riches. Mais c'est nos populations qui souffrent. Et quand ils vont utiliser leurs produits-là pour soustraire les diamants, l'or, quoi, là, c'est nos parents-là qui payent. Donc, Macron est en train de dire ici, hein, donc tous ceux qui vont s'élever, oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici, là, vous, là, vous êtes des trous du cul. Qu'on fait rodinien, il a beau, il est à te fouiller. À te fouiller. Le français même, là, il est en train de dire ce que les Maliens demandent aujourd'hui, là, c'est ce qu'il est en train de dire, là. Mais toi, tu vas sortir, tu vas dire quoi? Tu vas sortir, tu vas dire quoi? Et Bourla, quand en France, ok? Et Bourla, toi, tu n'es plus là-bas. Tu es ici. C'est parce que c'était chaud au pays. Sur nos belles façons, les cadavres. Nibile, la manteau donné, un manteau de 10 kilos, là, et beau tapo du canard. C'est-à-dire, il te sait qu'à débattre et redouka pour créma. Il est mal au coco, les buts de l'eau, là. C'est parce que c'est dû au pays. Maintenant, là, c'est ça, là. On veut changer. Et toi, tu dis non, que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans là, tu la boucles, immédiatement dans tout le monde, et puis tu dégages. Tiens, du coup. Et abîmé. Et vouloir rebâtir une belle relation parce qu'elle est équitable. Voilà. Parce qu'elle est choisie et parce qu'elle regarde l'avenir. Voilà. Mais l'avenir de votre continent. Voilà. C'est vous qui l'écrirez, c'est vous qui le ferez. Ah, d'accord. Notre devoir à nous, c'est de permettre à nos diasporas d'y contribuer. C'est de permettre à nos diasporas d'apporter leur part, parce qu'elles ont cela en elles. Et c'est de nous permettre de, quelque sorte, d'être à vos côtés. C'est-à-dire, ils parlent de la diaspora. C'est-à-dire, là, ils ne parlent pas. C'est ça, là, on veut. C'est-à-dire, de la manière dont on vient ici, là. Et puis, avec nous, notre travail ici, là, c'est pour vider poubelle. Mettre le chien livreur. C'est tout ce que nous, on fait en Europe, ici. Mettre le chien livreur, ou bien toi-même, tu fais ta société à Banan. Quand un plan, même le plan le plus moisi en Afrique, là, il est patron. Piscine Mahaloukono. Le plan le plus moisi, là, en France, ici, là, quand il vient en Afrique, là, avec un feigné. Mais en gros, il est là. C'est pourquoi, quand il voit, il y a des femmes, là, Ali Kiado et Rebe, Niko Brouironne, il va voir que non, Olu, et il travaille dans le feu. Produit Benir Kabeb Trétien. Produit tellement membre de produits, là, et puis on travaille du. Bâtiment, quoi, on fait les sales boulots ici. On est payé combien? En France, ici, là, il n'y a pas. De la manière dont on est riche, là, ils sont pas. Mais pourquoi eux, là, ce jeu est joli comme ça, et puis chez nous, est vilain, vilain? C'est parce qu'ils ont travaillé avec la tête. Eux, ils ont mis quelque chose en place qu'on appelle la loi, qui, ça dit, qui est respectée. Mais nous, là, on cherche constitution pour être président. Tu parles, on te met en prison. Tous les amis de Soro aujourd'hui là sont en prison en Côte d'Ivoire. Soro même est condamné 20 ans. Même Macron il félicite ça. Parce que c'est une chance pour nous de le faire. Parce que c'est participer à une aventure humaine qui, moi je le crois profondément, va enrichir la France. Voilà. Et donc cette coopération, ce partenariat, cette nouvelle page, c'est ça ce que nous devons ensemble faire sortir de ce... Voilà. Maintenant, donc, après ça là, c'est-à-dire où Macron même nous dit, il dit, je vais parler aujourd'hui. Attendez, il y a une autre vidéo encore. Vous allez écouter, il y a une soeur qui a parlé. Ce qu'elle a dit là, elle va parler de Libye. En même temps, en Libye là, au moment où Kadhafi vivait là, ce qu'on vit aujourd'hui dans le Sahel là, il n'y avait pas. Même s'il y avait là, eux ils faisaient ça dans respect. Donc, il fallait casser Kadhafi. Mais ils ont cassé Kadhafi, là. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Mali, là. C'est parce que c'est les mêmes autorités de France, là. Ils se sont levés, menti, aller tuer Kadhafi. Qu'aujourd'hui, on nous parle de djihadistes. On nous parle de djihadistes dans le Sahel. Sur le cas Kadhafi était là, là. Il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de démocratie là-bas. Maintenant, quand ils sont partis, là. La Libye est comment aujourd'hui? On va écouter la soeur ici. On va l'écouter. Et on va écouter très bien. C'est-à-dire, tout malheur là, c'est les autorités de la France là, qui envoient malheur en Afrique.
On ne dit pas les Français. Les autorités, parce que les Français même ne sont pas d'accord avec eux. Et après, vous allez écouter une autre vidéo encore. Alors, on va écouter. Chapitre. Alors, peut-être qui est à la base de tout ce qui arrive président, Adam voulait juste réagir rapidement. Oui. Pour Adam et pour le président, réaction vraiment rapide. 30 secondes. Je veux juste rappeler à monsieur le président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Voilà. Libye là, qui a bombardé Libye? Qui a tué le guide libyen là? Qui a tué le guide libyen? Ce n'est pas la France, c'est les autorités. Elle était à la tête de ces autorités là, Nicolas Sarkozy, qui a pris l'argent de Kadhafi. Après, il a livré Kadhafi. Il a tué Kadhafi. C'est lui. Ils ont posé la question. Et c'est vrai. Moi, il ne peut rien me faire. Je le dis haut et fort. C'est lui parce qu'on a les preuves. La Libye aujourd'hui, là, est-ce que les Libyens vivent tranquilles aujourd'hui? Est-ce que les Libyens, là, est-ce qu'ils sont tranquilles aujourd'hui? Je vais vous montrer encore la vidéo de Libye. On va finir d'écouter celle-là. Écoutez attentivement ce qu'elle dit. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans le Sahel, là, au Mali, là, c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a commencé. C'est la France de Nicolas Sarkozy qui a commencé. Alors, quand je vois quelqu'un qui se dit que lui vient du Mali, quelqu'un qui vient pour insulter les vieux du Mali, mais n'y toye mouna. Tu penses que moi je suis maudit comme toi? Non, n'y toye. Allons. Intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Voilà. Monsieur le président. Quand eux, ils partaient tuer, quand Nicolas Sarkozy partait tuer Kadhafi, là, il n'a pas demandé l'avis de l'Union africaine, ni CEDEAO. Ils se sont levés, ils sont partis. Parce que vous, les chefs d'État africains, vous vous comportez comme mouton. Quand tu sors, quand ton enfant il est à la maison, même s'il a 5 ans, s'il s'est parlé, là, tu dis à ton fils, j'arrive. Mais ton mouton qui est attaché chez toi, là, tu vas sortir, même s'il est bélier, comment quand tu sors là, tu ne vas jamais lui dire bon Dieu, j'arrive. Hein. Bah, tu sais qu'il est mouton. Voilà pourquoi ils se sont levés. Sarkozy a pris sa troupe là. Aller tuer le Libyen. Et puis Foy Mabala là. On ne vous a même pas appelé. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à dans les cigares là. Mais à dans les cigares. Technologie manoubrobi pour combattre ces gens-là, c'est la communication. Et puis on est number one dedans. On va voyager ensemble. Allons. Quand vous l'aimez le dire, nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, ils n'allaient pas avoir de France aujourd'hui. Merci beaucoup, ma soeur. Très bien parlé. Nous sommes liés. Nous sommes liés. Nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Ouais. Jamais. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Et vous êtes envoyé. Il n'y a pas de terrorisme même. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Vous, hein, oui. À la manière elle est en train de parler là, Macron ne l'a pas respecté. Elle est en train de parler et puis lui il parle parce qu'il s'est dit qu'il est président. Bon, j'imagine là, Alassane dans le salon de lui là. Tout ce qu'Alassane va dire, oui, je prends note. Huit chefs. Le jour où l'Africain, président africain, va prendre ce courage là, parler comme ça. En huis clos, tête à tête avec un président français, vous allez voir, ils vont nous respecter. On va nous respecter. Celle-là, parce qu'on dit que non, elle est, voilà, c'est, voilà, c'était un coup monté entre eux là-bas. En tout cas, tout ce qu'elle a dit là, moi, en tout cas, moi, ça dit, je félicite ça. Même si c'est un montage là, moi, je félicite ça. C'est comme ça, il faut parler. Quand tu veux défendre ton peuple là, c'est comme ça, il faut parler. Toi-même, ta vie ne compte pas. Parce que tu as sacrifié ta vie pour aider, c'est-à-dire pour libérer ton peuple. C'est comme ça que tu dois parler. Ce n'est pas toujours oui, monsieur. Ah, mais bon, nous, on l'a dit. Nous, on va beau fêter, on va gréver, on va sauter. Il suffit que lui, là, il appelle. Oui, c'est comment ?
Mais pourquoi tes gars là sortent comme ça? Et j'ai vu, je ne sais pas où je vais retrouver la vidéo, où il y a un ambassadeur français qui disait, qui interdisait la marche dans un pays africain. Parce qu'il contestait contre la France, ou bien ce pouvoir, le pouvoir qui était en place. Eux là, ils interdisaient ça. C'est-à-dire ambassadeur de France, dans le pays des gens. C'est-à-dire lui dit aux citoyens de ce pays-là, il ne faut pas ils vont gréver. Faut pas ils vont manifester. Allons Adam, on va avancer dans tes dires. Je vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là. Elle dit, attendez. Position de victime. Voilà, écoutez. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Voilà, je n'ai pas terminé. C'est comme ça qu'on parle. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple. Merci et ça, beaucoup. C'est une erreur. Comme de la manière vous êtes en train de piétiner aujourd'hui la souveraineté des Maliens.